On va se retaper le fight. Ce donjon est quand même bien Un costaud. monstre marin. On dirait un peu un Kéran. On dirait que ça a été griffonné à... Geralt, qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi et moi. Bon, on se fait la sorcière d'abord, puisque de toute façon c'est la plus faible. Elle peut pas se défendre contre les coups d'épée. Elle a pas de Quen. Viens-y, voilà, t'as plus que la moitié de ta vie. Elle fait mal quand même, hein. Désolé, je ne partage pas tes questions existentielles. Je sais parfaitement que ce que tu veux est réel. Bon, à son tour maintenant. Tu veux pas lui remettre un petit coup de Axi là, Kera, s'il te plaît? Voilà, il est mort. Eh ben, ça t'était déjà arrivé ce genre de truc? Pas vraiment. Plus ou moins. Un certain Doppler a tenté de m'imiter une fois. Ah, et? Il a détesté. Apparemment, être dans mes bottes est particulièrement inconfortable. Les Dopplers sont bons par nature. Bah, si t'as le pied gauche à la place du pied droit, c'est sûr, c'est pas très pratique, hein. Quand on n'est pas habitué. Bon, essayons quand même, peut-être avec un Quen ça passe, hein. Un chien de chasse. On va s'écarter. Pas de rapport avec Kelpie. Bon, d'accord. Super. Je crois que c'est pas trop la solution. Bon, désolé pour ceux que ça peut faire rager de vous me voir recommencer plein de fois. On dirait un peu à Kéran. Alors qu'ils connaissent déjà la solution, mais bon. Que voulez-vous, ça fait partie du jeu. Hein. Un autre système de sécurité. Occupez-vous de ça. Bon. Et il veut pas crever, hein. Il a décidé de me faire chier. Allez, vas-y, tu vas mourir, voilà. Prends ça dans ta gueule. En plus, tu perds de la vie, tu vas mourir. Tu vas mourir. Rends-toi, pose des armes, je sais pas, saute dans un trou. Voilà, t'es mort. Hop, ça c'est fait. Alors, est-ce qu'on va essayer de sauvegarder, s'il vous plaît? T'étais déjà arrivé ce genre de truc? Plus ou moins. Un certain Doppler. Parce que de toute façon, une fois. Ah. C'est un piège, on va éviter. Apparemment, être dans mes bottes est particulièrement inconfortable. Les Dopplers sont bons par nature. On récupère un peu de vie. Et ça se trouve, en fait, c'est juste un taux de vie qui descend, hein, je sais pas. Je ne dois pas mourir, peut-être, mais bon. On va sauvegarder parce que voilà, quoi.
Ça me saoule de mourir 30 fois et de recommencer le combat. Ah, c'est le message qui revient en boucle. Mais je vois pas vraiment... Je vois pas vraiment où faut aller, quoi. Parce que là, si je shoot, je meurs. Non ? Je sais pas, y a des stalactites. Des stalagmites, plutôt. Donc, si c'est pas là, c'est là, alors. Non ? Y'a quoi par là ? Ah ? Non, c'est là d'où je viens. Ok. Et là on peut pas passer, on peut pas casser le mur. Peut-être avec Hard. Ah, mais non, là c'est le chien. Non, ça va me tuer. Un chien de chasse. Je ne vois pas de rapport avec Kelby. Bah de toute façon je suis mort, voilà. Comme ça c'est fait. Rechargeons la partie. Alors surtout ne vous énervez pas dans les commentaires, je pense connaître la solution, mais je suis pas sûr, donc ne vous énervez pas. Hein. On va garder son calme s'il vous plaît, parce que si ça se trouve dans la vidéo je vais trouver la solution, donc ce serait con de s'énerver alors que j'ai quand même la solution. Pourtant ils me disent que c'est par là. Mais il y a que des rochers, donc c'est bizarre. Pour pas ce message. Bah ça se trouve c'est là, parce que ça paraît logique. Hein. Le chemin n'est pas forcément le plus rapide. Ah, il y a un truc là-bas. Ah, donc on peut descendre. Ok, bon bah plouf. Cool. C'était de l'eau. On aurait dit en fait de la vapeur en fait. On aurait dit qu'il y avait un sous-sol. Ça doit être un indice destiné à Sylvie. Ok, bon bah y a plus qu'à tomber sous l'eau. Glou glou. Alors voyons ce qu'il y a dans le sous-sol. Là, il y a des trucs à récupérer, j'ai l'impression. Ah, là, il y a un coffre. S'il te plaît, descends. Il a du mal à... Il a du mal à se situer dans l'espace quand il est sous l'eau. Donc apparemment, c'est par là. Est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs à récupérer aussi? C'est bizarre ça. Je n'ai strictement rien vu, c'est bizarre. Non, il n'y a rien pourtant. C'est bizarre leur histoire. En disant il y avait un cheval... En plus on voit rien, mais rien du tout quoi. Faudrait une lumière, je sais pas. Un truc pour voir sous l'eau quoi. Bon là on doit pouvoir remonter à la surface j'imagine. Voilà, ah, un passage. Bah y'a rien par là. C'est par ici peut-être. Ah merde. Bon. Ça n'a pas ouvert de porte. Je croyais que tu étais pressé. Un dialogue, non, que dalle. Ah des petits champis. Bon bah faut retourner sous l'eau.
On n'a pas trop le choix. Allez, hop, plouf. On monte, s'il vous plaît. Et là, j'ai cru qu'il y avait un truc par là. Il y avait une peinture dans le mur. Ou alors j'ai rêvé. Ça se trouve, c'est sous l'eau. Non, il y a toujours rien. Ah, le cheval. Cheval. Presque identique au précédent. Voyons ce que ça fait. Geralt, je sais pas ce que t'as fait, mais ça a marché. Reviens par ici. Bon, mais attends, parce que je vais perdre de la vie. Oh, y'a quoi par là? Ah, doucement, doucement, voilà. Bon, c'est pas grave. Viens voir, ça s'ouvre. Ah ah! Maintenant, je sais que c'est ce portail qui perturbait mes téléportations. Et moi, je sais pourquoi j'ai atterri dans un nid de noyeurs. Tu devrais t'estimer heureux d'être ressorti du portail en un seul morceau. Et tout le monde s'étonne que je déteste la téléportation. Il faut essayer de l'activer. Je crois que c'est... c'est une hirondelle. Ça a marché. Bien. Je suis sûr qu'on ne risque rien. Bien entendu. Le mage a laissé ce passage à l'intention de Ciri. Allez, viens. Bah après, dans le film La Mouche, il a subi les dommages à la téléportation. Hein. Il a fusionné son ADN avec celui d'une mouche, quoi. Ou alors l'histoire du macaque qui arrive là, complètement grillé. C'est très calme tout d'un coup. C'est une mauvaise chose. Ça sent calme avant la tempête. Oh merde, un golem. Un golem, je déteste ces mecs là. Ils sont costauds et ils sont balèzes. Ils sont balèzes. En plus c'est une arène fermée, ça va être encore n'importe quoi. Toi tu m'as loupé déjà. Bon. Est-ce qu'il est sensible à Hard? Non. Il est sensible à que dalle, ouais.
Bah, tu parles d'un combat, quoi. Bon, alors, qu'est-ce que tu fous? Il arrive. Non, c'est... Ah, oh, bien joué. Bien joué. Ça l'a débloqué du mur. Pète-lui les dents. Attention, la charge héroïque. Ouh là là, il m'a pété mon bouclier. Bon, c'est un sacré boss, hein. Il faut éviter ses coups parce qu'ils sont quand même assez meurtriers. J'ai l'impression que c'est un gros boss. Enfin, c'est pas le plus gros boss pour l'instant, mais il est costaud, hein. Ça me rappelle l'Insane édition là, ou Unchained édition, je sais plus. Bref, l'édition spéciale sur avec la quête en fait qui a jeté où on peut choisir de combattre ou de désamorcer un golem. C'est marrant. En tout cas, dans les deux cas, c'est vraiment stylé. Waouh, il est quand même balèze. Il a bugué? Non, il n'a pas bugué. Il attend juste de me défoncer la gueule.
Il voulait me faire une petite feinte. Ah putain, il m'a eu. Je l'ai pas senti là. Bien sûr que c'est très calme. C'est un piège. This is good, c'est un piège, nous allons mourir. Ça sent calme avant la tempête. Allez, viens là, petit tas de cailloux. Au fond du jardin. Tu es le tas de cailloux de la cabane, fond du jardin. Viens te battre. En même temps, avec le vie que j'ai aussi, c'est normal que j'y arrive pas. Hein. Je crois que ça va être un exploit si j'arrive à le battre avec si peu de vie. Mais enfin, ça doit être faisable, hein. Il est pas si chaud que ça, c'est juste que, en fait, c'est un des problèmes dans The Witcher, j'ai remarqué, c'est que les combats en arène bloqués comme ça sont très chiants. Surtout, alors si vous vous souvenez du The Witcher 2, l'un des boss de fin, quand on combat, en fait, quand on choisit des Saskia, on tombe sur un boss dans un piège de Philippa Eilhart, qui est assez pareil, assez costaud. C'est très calme tout d'un coup. Ça, c'est le même système. Hein. Ça sent calme avant la tempête. Bref, tout ça pour dire que je suis pas concentré et que il va me mettre ma misère. La cabane au fond du jardin va venir se battre. Il faut bien connaître sa strat, hein. Ce qui fait bien mal quand même. Surtout qu'il prend pas beaucoup de dégâts parce qu'au début du jeu, bah on a vraiment un stuff moisi. Aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est pas drôle. Puis la sorcière, elle est censée nous aider. Bon, au moins, elle participe. Pas comme certains intelligences artificielles qui vous aident même pas, qui regardent le combat. Elle vous met des petits dégâts, c'est déjà ça. Par contre, là, c'est abusé, quoi. Ok, d'accord. Bon voilà, on lui a enlevé presque un tiers de sa vie déjà. Ah, j'aime pas quand il fait ça parce que regardez, on a voulu l'esquiver, il se dirige vers nous en fait. Voilà. Comment voulez-vous esquiver ça? Une masse d'à peu près 500 kg qui vous arrive dans la gueule. Normalement le truc il pourrait même pas bouger quoi, avec la gravité. Bon heureusement elle le retient. Ah, voilà, elle vient se prendre un coup, elle peut pas mourir j'espère. Allez, on arrive à la fin du deuxième tiers. Voilà, là on fait gaffe. Là on fait gaffe. Mais il fait quand même très mal, hein. Il est violent ce boss. Il est violent. Il est violent, mais on va l'avoir petit à petit. Voilà. Allez, approche. Pas de cailloux. Mais je comprends pas comment la chasse sauvage a pu résister à ces bestioles. Voilà,
Bon bah celle qui l'a eu, c'est elle qui a récupéré l'XP. Tant pis. Ah, il est mort. Il s'est solidifié. Et voilà le travail. Je savais qu'on y arriverait. Vraiment ? Ouais, enfin, tu... Dis-le moi avant la prochaine fois. Ah, réussi. L'intuition ne m'a jamais fait faux bond, sorceleur. Ne fais pas l'erreur de la sous-estimer. Par exemple, je perçois d'excellentes vibrations à ton encontre. À de multiples égards. Stuff qu'on récupère. Que feras-tu une fois que tu auras trouvé Ciri? Tu as des plans? Je me casse. Alors attendez, il y a quelque chose là-bas. Tout dépendra de ce qu'elle veut faire. Tu as réfléchi à comment... Là, il y a un piège. À ce qu'elle te dira? À l'apparence qu'elle aura? Non. Désolée d'être aussi indiscrète. J'ai tendance à oublier... qu'on se connaît à peine. En tout cas, pas assez pour aborder des sujets. Là-bas, un téléporteur. Dis-toi, me dis qu'un autre golem va nous tomber dessus. Ou pas. On a réussi à traverser le pont. C'est là qu'on a vu la chasse sauvage. Génial. Ça veut dire qu'ils ont une bonne avance sur nous. Allons-y. C'est la chasse sauvage. Ouais. Voilà, les golems ont été frigorifiés. Ils ont pris un petit coup de froid. Oh, un coffre. Bon allez, on se lance dans la gueule du loup. Ils n'ont même pas eu le temps d'attaquer. Ils sont quand même mignons, hein. Avec cette cette vapeur de froid là qui se soulève d'eux-mêmes. En tout cas, les mecs de la chasse sauvage sont puissants. Ah ah. Moi aussi, shalom. Ce sont des juifs. Esaï Issa, Tabar Tori, Lilin Niamar, Raël. Raël Zamir. De la chasse l'a invoqué. Tu peux sceller ses failles, ça passe à travers. Elles sont trop éloignées. Il faut qu'on se rapproche. Je vais invoquer le barrage de Demetia Crest pour nous protéger. Reste près de moi. Wow.
pas l'air si costaud que ça. C'est quand même stylé. Hein. Oula, oula, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de perdre toute ma vie. Tout à l'heure, on va finir par combattre dans 1 mètre carré. Ouais, mais à quel prix? J'adore la musique derrière. Elle va vraiment bien avec l'ambiance. Oh, comment il m'a défoncé. Ah là là. Il y en a d'autres. Elles arrivent. Là, on sent que je sens que je vais crever, voilà. C'est fait. On recommence. Bah, en même temps, c'était assez chaud. Avec si peu de vie, réussir. Ça m'étonnerait. Mais pourquoi pas. Allez, on y retourne. Ils n'ont même pas eu le temps d'attaquer. Et ça, tabar. Oui, oui, on sait. Qu'est-ce que c'est que ça? Elles sont presque près de moi. J'adore ces invocations. Je suis prête. Ne t'éloigne pas de moi. Aïe aïe aïe. Allez, venez vous battre.
Elles sont quand même coriaces, hein. J'aimerais pas les rencontrer dans la vraie vie, hein. Ça craint. Bon, allez, deuxième bouboule. Voilà, vous allez mourir. Saloperie, à reprendre la vie. Comme une goule. Oulala, oulala, oulala. Ne va pas trop loin, Gérald. Tu vas finir en glaçon géant. Bon, si elle arrive à survivre, on aura de la chance. Voilà. On a fait le ménage. Allez, donnez-moi tout ce que vous avez. On ferme la bouboule. Quête mise à jour. Bon, ça va, il n'y a pas de bug. Il pourrait y avoir un bug du style la bouboule elle se referme pas et ça continue à popper. C'est courant généralement dans ces jeux-là. Ce type de bug. Surtout à ce niveau-là du jeu. On peut même pas sauvegarder. Non. Touche pas à la sorcière. Elle t'a rien fait. Si tu veux combattre quelqu'un, c'est moi qu'il faut combattre. Elles sont trop nombreuses là. Elles sont trop nombreuses. Elles font trop mal. Heureusement qu'elles viennent que 2, 3, 3 par 3, hein. Pas 6 par 6. Oh là là, je me prends tellement de peignées. Voilà, vous allez toutes mourir. Vous avez mouru, vous avez mouru. Voilà. C'est fini. Ah. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Et voilà, fini les glaçons. Est-ce que ça va? C'est rien. Ça va passer. Je suis juste un peu fatiguée. Ah. On pourrait la laisser tomber. Ne t'évanouis pas. Maintenant que tu me tiens dans tes bras, jamais de la vie. Ce n'est pas que ça me dérangerait de rester ici avec toi, mais... Je sais, je sais. On doit continuer. C'est un peu bizarre, hein. Bon, allons chercher le loot. Ils ont bloqué le passage. Laisse-moi faire. Oui, oui, bah, je te laisse faire, vas-y. Moi, je récupère les petites bestioles. Voilà, de la chair putride, ou chair moisie. Berk. Un coffre. Ça sert à rien de se précipiter, de toute façon, elle est scriptée, elle va attendre qu'on arrive. Moi, je veux récupérer les trésors. Les trésors de la caverne. On a quoi? On a de l'eau. De l'eau et encore de l'eau. Bois ton sirop, Gérald, ça va refroidir.
Ah. Comme c'est mignon. Sale temps. Merci. Pour la planète. C'était pas gagné. Heureusement que je t'ai accompagné. Sans moi, tu serais passé, hein. Allez, admets-le. Je l'admets. Oh, il y a des trucs à récupérer par là. Il nous attend. Genre, il nous attend. C'est un coup à perdre de la vie si je saute. Est-ce qu'on peut pas... Voilà, passe par là. Ok, c'est bon. Sauvé. Un chevalier. J'aime bien son armure. C'est un chevalier de... Ah, un chevalier de Call of Duty. Ghost. Il s'appelle Ghost. Chéri Tango Foxtrot. Tu es tenace, Doin. Geralt, je pourrais... Recule. Arrête de me donner des ordres. Wow, il va pas avec le dos de la cuillère, lui, carrément. C'est pas une hache à découper le beurre, celle-là. Avec ça, tu peux au moins tuer un dinosaure. Allez, amène-toi. Putain, il est coriace, quoi. Il est très coriace. Ouh, aïe. 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 Si je prends un coup, je meurs de toute façon. Aïe. Putain, il est balèze. Hein. Il est balèze. Est-ce qu'on peut le cramer? Non, il est pas sensible au feu. Il est lent, hein, il est très lent. Autant il fait des dégâts, autant il est lent. Ah, ah, qu'est-ce qui se passe? Oh non. Bon. Il ouvre un passage. En tout cas, on peut pas l'attaquer pendant ce temps-là. Il a récupéré toute sa vie. Ah, puis là, il va se ramener, je parie, non, c'est bon. On peut dégommer ses potes. Ah, mais là, c'est pas du jeu, quoi. Il récupère toute sa vie, moi j'ai pas de vie. Allez, viens te battre. Oh, laisse tomber. Wouah, j'ai chaud, il y a un peu plus, il me coupait la queue de cheval. Aïe. Ah, il est en train de mourir à petit feu. Wouah. Normalement, il devrait être électrocuté. Hein. Le métal est conducteur. Wouah. Bon bah il m'a eu. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce qu'il neutralise mon Quen d'un seul coup de hache. Même pas, il a juste contré mon attaque et ça a détruit mon Quen. Je suis un peu deg. Sale temps. Merci pour ton aide. C'était pas gagné. Heureusement que je t'ai accompagné. Sans moi, tu serais pas. J'avais bien géré le combat. Allez. Je m'en sortais pas trop mal, j'avais réussi la première étape.
Mais là, il réussit à me dégommer mon Kuen d'un seul coup, c'est pas juste. Est-ce que je peux pas récupérer des potions de vie? Non, à mon avis, c'est mort. Par contre... N'y aura-t-il pas d'autres objets à récupérer? Parce que j'avais vu une porte. Donc on va voir ça. Je l'admets. Ouais, j'ai pas de points à distribuer en plus. Ça va être chaud, ça va être chaud. Là, il y a une porte là. On va essayer un petit coup de hard, voilà. Boum. Voilà, ouverture des portes. Oula, oula, oula. Waouh. J'aime pas les champignons. Ok, de la viande. Je pourrais peut-être le faire. Il nous attend. Ah bah voilà, super, j'ai perdu toute ma vie. Bon allez hop, on va mourir, on passe tout ça. Vas-y, donne-moi un petit coup de hache. Touche pas la sorcière, viens me tuer moi. On va essayer quand même, mais bon, y a peut-être des choses à récupérer là-bas. Hein. On peut essayer. Mais je pense qu'à mon avis on pourra pas looter. Comme ça, ouais, j'en étais sûr. Comme dans le 2. Le 2 c'est pareil, en plein combat on peut pas récupérer des objets. C'est fait exprès de manière à pas récupérer de vie de manière fortuite. Vas-y, donne-moi ton coup d'âge. Allez, viens. Viens, petit. Allez, viens. Viens, petit elfe qui vient d'un autre monde. Normalement, tu devrais pas pouvoir faire de dégâts dans ce monde, puisque tu viens d'un monde parallèle. Allez, viens te battre. Allez, viens, tape tes forces, voilà. J'ai quasiment rien fait comme dégâts.